Encore une fois, merci d'avoir visionné ma vidéo. Donc voilà, voilà, dans un petit appart, on peut faire ces petits exercices, hein, ces petits exos. Hein. Important ce que j'ai dit aussi, parce que c'est des choses que moi-même, je ne prends pas, que moi-même, j'ai pas inventé. Hein. J'ai pris de chaque chose qui me rendait intéressante, hein, chaque truc. J'ai pioché dans chaque chose, pour moi, qui me semblait importante, et j'ai fait ma propre soupe après dans mon circuit training ou tout ça. Hein. Tout ce que je vous apprends, tout ce que je vous dis. À travers l'écran pour les internautes, c'est des choses que moi j'apprends au fil de mes entraînements, de mes stages et que je vais vous faire partager bien sûr. Ah oui, au fait, souvent les gens doivent se demander qu'est-ce que c'est que ça. Hein hein? Alors je vais vous montrer. Les gens, vous avez dû voir sur mes nouvelles photos depuis pas longtemps, hein, l'évolution 2017, je me suis fait un tatouage, donc ici. Donc ce tatouage, qu'est-ce que ça veut dire? Donc souvent on va me poser la question, je pense, hein, les gens doivent se demander, hein, à part ceux qui me voient dans la vie tous les jours au quotidien, mais pour les internautes qui ne me connaissent pas, qui viennent de loin. Donc ici, ça veut dire karaté. Donc voilà, c'est les signes du karaté. Hein. Vous pouvez aller regarder sur internet, vous tapez signes du karaté. Et ils y sont. Hein. Je les ai trouvés sur internet et je les ai fait faire sur moi. Hein. Donc c'est un tatouage qui date de quelques semaines. Voilà. Donc ça fait plaisir. Hein. Il faut mettre de la crème. Hein. Et voilà. Donc aussi une expérience que je comptais faire et qui m'a été très utile. Bon. Ciao. À la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et franchement, abonne-toi à ma chaîne si tu as aimé. Hein. Donc comme j'ai pu le dire. Compliqué hein, parce que je suis moins assidu dans l'entraînement suite à ma formation ben, en prépa sport comme j'avais pu le dire sur l'une de mes vidéos, mais bon, on lâche rien. Cette formation me permet de rebondir. Certes, ça met un bémol sur mes entraînements actuels, mais cette formation va me permettre de rebondir après pour aller sur un DIF ou un DAF ou un diplôme d'instructeur fédéral ou un diplôme d'animateur fédéral. Donc, pour ceux qui ne me voient pas à l'entraînement, cette formation me permet comme une balle de me rebondir pour après. Je lâcherai pas le karaté, ça c'est sûr. Donc c'est juste pour rebondir après, pour être encore plus efficace et avoir un projet professionnel qui tient la route. Allez, salut!